Nilofar Nouri, chef du secteur Orléans Sud. Je présente l'été punch aujourd'hui, 23 juillet, au quartier Saint-Marceau, en compagnie de la Miss Guadeloupe, qui sera bientôt Miss Monde, on l'espère tous, avec une beauté pareille, en compagnie également des agents de médiation. L'été punch, ça a pour objectif de dynamiser un peu le quartier, de créer le lien social entre les habitants, de faire participer les différentes associations, c'est-à-dire l'association Avec Plaisir, la Ligue de l'Enseignement, le Carrefour des Parents, l'association AESCO et les ASELCO qui sont présents sur le quartier pour faire animer un peu les jeunes qui ne peuvent pas partir en vacances, pour faire des ateliers. Et puis je remercie beaucoup Priscilla d'être présente ce soir avec nous. Oh, tout plaisir est pour moi. Et je remercie UGF TV d'être présent avec nous ce soir. Oui, bonjour, je suis Gervais Loimbé, délégué du préfet en charge de ce quartier Saint-Marceau-Dauphine. Eh bien voilà, nous y sommes dans ce quartier. Nous sommes aujourd'hui vendredi 22 juillet 2021. Et comme on peut le constater, il y a un certain nombre d'activités ici qui sont faites pour les jeunes, pour les habitants. Ils sont contents. Des activités assez variées. On a un certain nombre de stands différents. Nous avons du sport, nous avons là-bas de la peinture, ici de la wallée, un peu plus loin des ateliers scientifiques. Et puis Monsieur Bulle qui fait des bulles. Non, c'est très intéressant, c'est bien d'ailleurs, ça permet d'occuper le quartier avec, comme vous pouvez le constater, environ une centaine de personnes de tout âge, de tout horizon, mais habitant le quartier, avec un soutien bien sûr de l'État, mais également de la mairie. Et oui, ce partenariat est intéressant justement pour pouvoir réaliser les activités qu'on peut voir actuellement. D'autres activités telles que celui-ci ou celle-ci, l'été punch, va se reproduire tout au long de l'été, tout au long de ses vacances, pour pouvoir occuper sainement les jeunes, pour pouvoir également donner un peu de joie et de plaisir à tous ceux qui n'ont pas pu partir. Il y en a beaucoup qui n'ont pas pu partir, pas forcément pour des problèmes de finances, mais également pour des raisons sanitaires. Voilà. C'est une activité importante, c'est un dispositif important, intéressant et bien pour montrer aussi l'action de l'État dans les quartiers. Et voilà, ça s'est produit ici aujourd'hui, ça se reproduira, ça s'est déjà produit dans d'autres quartiers. Et tout au long de l'année, nous aurons des activités comme celle-ci dans les quartiers pour être au plus proche des habitants, pour le bien vivre ensemble. Jamila. C'est où, M. L. N. Je vais répéter. D'accord. E. M. E. L. Émilie. Ah, Émilie. Émilie. Là-bas, bon. Et pourquoi les filles?
Parce qu'il n'y a pas d'air à l'intérieur, c'est pour ça. Autour de nous, qu'est-ce qu'il y a? L'air. Et quand on dit quoi? Pression. Pression atmosphérique. Gazeuse. Pression atmosphérique. Non, pression gazeuse. Pression atmosphérique. Pourquoi? Parce qu'autour de nous, il y a de l'air. Et l'air pousse sur nous. En fait, partout sur nous, l'air pousse. Et là, cette expérience, c'est juste pour démontrer qu'effectivement, il y a une force de l'air, qui est la pression atmosphérique. Donc quand on retourne, elle est tellement forte la pression qu'elle va scotcher le papier autour du verre. C'est magnifique. C'est bon les filles? Vous avez compris? Vous irez faire ça à l'école. Mais les filles, vous allez leur montrer une autre expérience, hein, il n'y a pas que ça. Là, on va poser, là c'est des quoi? Des petites fleurs qu'on va poser, on les a fermées, hein, on va les reposer comme ça sur l'eau. Et puis on va observer ce qui va se passer. Est-ce que je pourrais prendre une photo avec toi? Mais bien sûr que tu pourras, ma puce. Tu t'appelles comment? Nashwana. Tu t'appelles comment? Nashwana. Nashwana, super. Voilà, là qu'est-ce qui se passe les filles? Ça souffle, pourquoi en fait? Parce que l'air il pousse. Non! Parce que l'eau rentre dans les fibres de papier, c'est comme une plante. Une plante, quand on ne l'arrose pas, qu'est-ce qui se passe? Elle meurt, elle vit à cause de l'eau. En fait, quand on verse dans la terre, ensuite, l'eau remonte. Et c'est pareil, c'est le même principe. Là, donc, l'eau va rentrer dans les toutes petites fibres et donc vont ouvrir notre fleur. C'est pareil. Donc là, on a beaucoup d'eau qui rentre dans les petites fibres et puis à un moment donné, la fleur, elle s'ouvre, elle éclore, comme la fleur dans la nature. Quand on a... J'avais pas vu là. Ça, par contre, je vous garantis pas parce qu'il me faut des crayons, parce qu'en fait, il faut que ça soit uniforme. Le souci, c'est que... Bon, c'est bon. D'après vous, les filles, est-ce que si je transperce là, le sachet, l'eau coule? Il y a de fortes chances que ça coule. Parce que normalement, il me fallait un crayon qui est uniforme, sans rien. Mais là, avec les petits sur le Mikado, je vais quand même essayer. Tiens, je vais aller très vite. Je pense que ça coule. Oh. C'est quoi ça? Là, qu'est-ce qui se passe? Là, le bateau, il bloque l'eau. Et l'eau ne coule pas, pourtant j'ai transpercé. Je suis allée très vite parce que... On va refaire. Là. Et si on a pris, ça fait quoi? Ça va couler. Ça a fait une fontaine. Là, c'est ce qui se passe. Là, pour la simple et bonne raison que vous savez, c'est trop scientifique. Même moi, j'ai du mal à expliquer. Là, ce papier-là, ce sachet-là, c'est composé, ça s'appelle du polymère. Et en fait, comme dans toutes les matières, il y a des molécules. Et en fait, les molécules du polymère se tordent dans tous les sens. Elles se tordent dans tous les sens. Et même quand on transpire, ça vient ensuite, ça tourne. Comment ça se fait que vous êtes là, sans indiscrétion? Une amie. Une amie incroyable m'a invitée, Nilofar, voilà. Et alors, ça vous fait quoi d'être ici? Ça fait plaisir de voir des beaux sourires, des enfants qui sont heureux, qui sont contents, surtout. Un magnifique temps, donc ça, c'est génial. Donc, vraiment, en fait, c'est ça le plus important, c'est de voir le bonheur des enfants. Le bonheur tout simplement, le bonheur et alors, des enfants. Justement, lorsqu'ils viennent vous voir, qu'est-ce qu'ils vous posent comme question? Est-ce que vous avez participé à Miss France? Et alors, qu'est-ce que vous leur répondez? Ah, mais bien non, moi je ne participe pas à Miss France, mais je participe à Miss Monde. Voilà, qui aura lieu le 16 décembre à Puerto Rico. C'est le 7 décembre? Le 16 décembre à Puerto Rico. 16? Mm-hmm. D'accord. Et c'est où cette année? À Puerto Rico. À Puerto Rico. Donc, c'est ça, en fait, c'est beau de pouvoir transmettre quelque chose de positif aux enfants. Et là, waouh, ça tombe super bien. Positif aux enfants. Très bien. Bah, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. À vous aussi. Au revoir. Bonjour. Je m'appelle Slash Bubble et je suis dresseur de bulles. Je viens de région parisienne. Je suis venu aujourd'hui à Orléans pour faire des spectacles de bulles de savon. J'ai envie de partager mes bulles avec les habitants du quartier de Saint-Marceau. Je viens régulièrement à Orléans dans les quartiers, en centre-ville, mais aussi pour des mariages ou pour d'autres spectacles. Je m'appelle Slash Bubble, je suis dresseur de bulles.
J'espère que vous allez apprécier mes bulles. Je suis ravi ce soir de passer sur UGF TV. Je sais que c'est la télé qui est suivie par tous les Orléanais. Et alors continuez parce qu'il y a plein d'actualités, il y a plein de contenu. C'est 24 heures sur 24, c'est UGF TV. Ça, vous savez comment ça s'appelle, ça? C'est des cannes à rendre les enfants hystériques. Vous savez ce que ça veut dire, hystérique? Non? Alors, on va essayer. On va voir si elle marche à Orléans. Si elle marche pas, je vous expliquerai, d'accord? Vous êtes prêts? Attention. Je me présente Priscilla Larose, Miss World Guadeloupe 2021. Je m'en vais représenter mon île, la Guadeloupe, à l'élection de Miss Monde qui aura lieu le 16 décembre à Puerto Rico. Et je vous invite tous et toutes à voter pour moi, à me suivre sur les réseaux sociaux Miss World Guadeloupe sur Instagram, sur Facebook. Et je vous invite tous également à suivre la chaîne UGF TV, la métropole orléanaise. TV au cœur de l'actualité de la métropole.
suivez-nous 24h sur 24. Pour ne rien rater, téléchargez notre application UGF TV sur Google Play ou allez sur notre site ugftv.net pour suivre l'actualité en direct.